Bye.
Et alors? On est content de retrouver sa tirelire. On est content de retrouver sa tirelire. Hop, je vais essayer de remettre ça comme il faut. Pourquoi je m'entends? Pourquoi je m'entends? Ah, je m'entends là. Bonjour messieurs dames, bienvenue. Bienvenue sur Tirelire Cassé, bienvenue sur Twitch. N'hésitez pas à me dire si la musique est trop forte. Hein. J'ai fait quelques réglages encore, je galère avec cette nouvelle installation audio, c'est une catastrophe. Donc si ça plante en plein live, ne vous étonnez pas, il se peut que ça plante. J'ai réalisé que j'avais quand même 15 périphériques USB branchés sur la bécane. Ça commence peut-être à faire un tout petit peu beaucoup. J'ai fait aussi quelques petits réglages audio par rapport à la semaine dernière pour encore ajuster. Donc normalement le son doit toujours être bon. J'ai rajouté l'anti-bruit en plus. Et j'ai baissé aussi les alertes. Hein ? Quelle indignité. Voilà, quand je vois des petites alertes comme ça, elles sont moins fortes, parce que je me suis rendu compte que la dernière fois, c'était un peu violent quand même pour les oreilles. Ben voilà, bonjour à tous. Bon, on a un tout petit JT aujourd'hui. Il n'y a rien passé cette semaine. Rien. Donc ce qu'on va faire, vu que la semaine dernière, vous avez réclamé qu'on fasse un peu de gaming, je vais vous emmener tester un jeu. D'abord, on va en parler pendant le JT, et à la fin du JT, je vous emmènerai le tester. Vous avez dû voir, il commence à y avoir des jeux photoréalistes, bodycam, etc. On commence à voir des vidéos sur ce genre de trucs. Et il y en a un qui est en démo, qui s'appelle Fractured Mind. Ils en sont à la 6e version de la démo. Je vous donnerai le lien si vous voulez le tester. Et je vous propose qu'à la fin du JT, on aille se le tester ensemble, voir ce que ça donne, voir si ça fout la gerbe. Ou si c'est sympa, ou si c'est nul à chier. Voilà, premier jeu photoréaliste. Oh putain, il n'y a pas le chat. Unreal Engine 5, je pense. Donc voilà, donc écoutez, on va dire bonjour à tous ceux qui sont là. Oui, déjà. J'ai changé la musique d'intro, hein, Shafik avait remarqué. Bon, bon courage pour ton déménagement, en tout cas. Hein. J'ai changé la musique d'intro parce que j'avais récupéré les musiques sur Pixabay. Musique libre de droit, avec une licence créative classique où tu peux l'utiliser tant que c'est pas à des fins commerciales. Et en fait, je me suis rendu compte en regardant le replay sur Twitch que en fait, les portions de vidéos avaient été bloquées. Et vu que je fais la sauvegarde en fait, des vidéos Twitch sur YouTube, les 3 vidéos ont été bloquées sur YouTube directement. Donc voilà, donc j'ai changé la musique d'intro et puis j'ai changé la musique de pause. Je nous ai remis du Vivaldi. Oh, il vous avait manqué Vivaldi, putain, ça fait des années, ça fait 14 mois que vous avez pas entendu Vivaldi donc. Bon, il faut que je change ce bras, je compte sur vos subs. Faut que je change ce putain de bras et plus j'avance, plus il descend en fait. Et vu qu'il faut que j'ai le micro contre la bouche. Voilà. À votre bon cœur, monsieur dame. Oui, il continue de descendre, je sais pas pourquoi. De la merde. Et je vous parlerai aussi à la fin du JT donc du transmetteur Bluetooth que j'ai acheté pour aller avec mon casque Sony. Vous savez que les casques Sony, comme les casques Bose, ne sont compatibles avec aucun codec LDAC classique, aptX classique, et que les Sony sont compatibles avec LDAC, c'est leur codec propriétaire. Donc je le teste intensivement en ce moment. Donc je vous ferai mon retour. Si vous cherchez un bon casque transmetteur Bluetooth pour votre casque Sony, sans perte, bien évidemment. Je vous donnerai la référence. C'est du tout bon. La dernière fois que je vous en avais parlé, je venais de le recevoir, donc je ne l'avais pas testé. Et là, c'est du miel. Ça se connecte tout de suite. Le son, c'est... Alors, il faudrait pouvoir vous mettre ça sur les oreilles, mais en fait, tu compares avec un transmetteur Bluetooth classique, c'est le jour et la nuit, en fait. Tous les défauts que j'avais avec le Bluetooth d'avant, à savoir, par exemple, les graves qui étaient un peu baveuses, ou le son qui avait une espèce de bruit de fond, bien que ça se connectait pas, qu'il fallait 2 heures pour appairer. Ça c'est terminé, donc je vous donnerai la référence. Vu que le produit est validé, à votre tirelire. Bon, j'ai la gueule défragmentée, vous avez l'habitude, hein, il est 1h06 du matin chez moi, hein, dans la Creuse. Donc voilà, hein. Oh là là, je vois le retour, je vois la gueule que j'ai. Putain, tous les youtubeurs ou les streamers, tu vois, maquillés, ils sont bien frais, ils sont beaux comme tout. Il n'y a qu'un con comme moi pour faire un stream à 1h du matin quand j'ai la gueule en rade. Bon alors, qui on a aujourd'hui avec nous? Hein? Bon, Shafik, c'était le premier. Hein? Force et honneur. On a Briffon, bonjour, bonjour Briffon. On a Bazoulouné. Ensuite, on a Gwen, qui est là aussi. Vous avez vu les garçons, j'ai mis dans le... Bah, je vais en parler dans le JT, mais j'ai mis dans le Discord le lien vers le profil officiel du Stream Deck pour Helldivers 2. Je sais pas ce que je peux mettre. Je vais peut-être me faire bloquer à cause de cette musique aussi.
Il y a un profil officiel qui fonctionne a priori, donc je ne l'ai pas testé, hein, vu que j'ai posté ça il y a 15 minutes sur le Discord. Donc si vous voulez aller le chercher, il est sur le Discord directement à foutre dans votre Stream Deck. Ensuite, on va dire bonjour à qui est arrivé encore. Qui est arrivé? Bonjour à Tech. Bonjour à Akilou, qui est là avec nous en live aujourd'hui. Bonjour à CJ. Coucou à Nobi. Bonjour à Ganicus. Léo. Hydro. Vous êtes tous en train d'arriver. Ça, c'est finalement John aussi qui est arrivé. Ça va pas mal finalement ce dimanche matin pour vous, j'ai l'impression. Ça a l'air de vous convenir. Bon, on est toujours en mode transfuge, hein. Il y a toujours aucune nouvelle, vous avez vu sur YouTube, j'ai rien posté, j'ai pas dit que j'étais revenu. Tous les gens qui sont que sur YouTube, là c'est la moitié à peu près. Coucou à Momo qui vient d'arriver, peut-être à Cathy qui est pas loin, on n'a pas prévenu encore sur la même tête que Tom Cruise dans Minority Report. Pourquoi? Il était beau gosse Tom Cruise. Un peu flou dans Minority Report, hein, un peu du grain quand même. Non, dès que t'es frag, regarde ça, putain. Oh, j'ai boire un coup, je commence à avoir soif. Dans les tasses collector. C'est l'ancien. D'ailleurs, personne n'a fait de remarque. Vous avez vu quand même qu'il y a un nouveau logo, hein. On avait planché dessus bah, avec Bazoul et puis les copains. Ça fait quoi? Ça faisait 2 ans qu'on avait changé le logo et en fait, on l'avait jamais utilisé. Donc, l'ancien logo, tirelire cassé. Voilà, version 1 et tirelire cassé 2.0, version 2024. J'ai pas encore la tasse, j'ai pas commandé de tasse encore. Oh, quand il prend le truc pour changer de tête, je te remercie. Donc ouais, on a un tout petit JT aujourd'hui. Je me dis, c'est rien passé. J'ai 2-3 trucs sympas par contre, à vous montrer, à vous raconter. Donc voilà, je pense qu'on va commencer tout de suite, et comme ça on partira direct après sur notre petit jeu. Alors, je me trompe pas de scène. Ça marche ou ça marche pas? Alors, je ne sais absolument pas pourquoi, aujourd'hui, le Stream Deck, quand j'appuie sur une touche, il faut à peu près 2 secondes avant qu'il se passe quelque chose. Bien, alors, on va commencer par un procès. Non, je rigole, on commence par ça. Si vous êtes comme moi un geek, vous êtes fan de la licence Predator, Alien et compagnie, que vous avez apprécié le dernier film Predator, hein, après, qui était vraiment très très bien, et bien j'ai découvert qu'il y avait une suite qui était en préparation, avec le même réalisateur. Pas vraiment d'informations, juste le nom, on sait que ça s'appellera Badlands, que ça sort en 2025, donc l'année prochaine. Que ça se passe en termes de temporalité dans un futur très proche, bon, très très bien. Bon, après l'article là, il spécule tellement fort que je vais même pas vous dire de quoi il parle, parce qu'en fait c'est... Bon, à fond, ils sont déjà en plein délire en se disant que vu que dans le vaisseau, dans le Predator 2, on voit ses crânes certainement qui va partir à la chasse de ces bestioles. Les mecs, ils sont partis dans une spéculation. Tiens, le micro qui descend, bordel. Reste devant ma bouche. Il est gros ce micro quand même quand je regarde, hein. Putain, j'ai l'impression de faire un tête-à-tête avec Rocco Siffredi, donc. donc voilà, donc si vous êtes fan de Predator comme moi et que vous étiez pas au courant, parce que moi je suis tombé dessus par hasard, bon bah... Très très bonne nouvelle, parce que donc Dan Trachtenberg, qui avait aussi fait, si je dis pas de bêtises, Cloverfield Lane, qui était très très bien aussi, qui était très sympa. Donc il revient pour un nouveau prêt. Moi j'ai kiffé prêt, vraiment, je l'ai trouvé très très bon. C'est le seul vrai bon Predator depuis le premier Predator, j'ai envie de dire. Les autres étaient quand même très très mauvais. Donc voilà, plutôt une bonne nouvelle. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais si vous êtes fan, au moins vous avez cette petite information. Ensuite. Vous savez que je suis un fan inconditionnel d'Apple. Hein, autant que je peux leur casser du sucre sur le dos, je le fais. Bonne idée. Pardon, je me suis trompé de touche. Je voulais appuyer là-dessus. La place de la femme, c'est à la cuisine. Beaucoup mieux. Et aucun souvenir, faut que tu te le re-regardes. Si, c'était bien. Et d'ailleurs, c'était un des seuls films qui était 2B, donc doublé en Comanche, hein, du début à la fin. Donc... Bon, je ne parle pas le Comanche, mais si vous parlez Comanche, voilà, vous pouvez trouver la version Comanche sur la galette. Bon, à votre avis. Putain, merde, il y a déjà la réponse. Bon, on sait que l'Apple Vision est vendu 3 500 $, mais combien ça coûte à produire en hardware, hein? Je parle juste de hardware, hein, parce qu'on ne connaîtra jamais les frais de développement, hein, tout ce qui est R&D, on ne connaîtra jamais les frais marketing.
tous ces trucs-là, on le saura jamais, mais en hardware pur, je trouvais cet article intéressant parce qu'il nous donne le prix de ce que ça coûte. Et quand même, ça coûte une petite couillette, hein. Comparé à d'autres casques de réalité virtuelle, c'est que vraiment, la technologie embarquée, elle leur coûte quand même bonbon. Donc pour ce... Bon, dans ce cas-là, voilà. Moi qui taille Apple tout le temps, bon, je dis, bon... Bon, quand même, bon, x2, hein. 2,5 même. Mais il y a du vrai hardware, pour une fois, dedans. Donc on regarde un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc ce qui coûte le plus cher, déjà, c'est les deux écrans micro OLED. Parce que chacun des écrans coûte $228. Donc ils en sont déjà à $456 juste pour les écrans. Le prix d'une PS5, juste pour les écrans. Et aussi, j'avais pas ma C3. Qu'est-ce que c'est pas ? T'en as encore pas vu un seul, CJ ? Putain, admin, ban, s'il vous plaît, CJ. Il a vu aucun Predator. Même pas le premier avec Schwarzy. C'est honteux ! Oh, quand même, CJ, putain, c'est des classiques, ça. Ça, c'est de la culture générale, carrément. Ah bon, revenons à notre petit Apple. Donc les écrans qui coûtent quand même une blinde. Ensuite, bien évidemment, on va avoir les puces. Donc vous avez deux puces hein, dans Apple Vision. On va avoir la puce M2 et la puce R1. Et ensuite, bon bah bien sûr, bah, toute l'armature, etc. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant, parce que la news s'arrête là en fait. De voir que le coût de revient du casque, c'est $1500. Voilà, sans compter tout ce qui est R&D, budget marketing, etc. Et qu'ils estiment voilà, livrer à 400 000 unités en 2024, selon les... Les estimations... Merde. La fille qui a banni CJ. Putain, Chaf, il est en plein déménagement, mais il trouve quand même le temps de bannir quelqu'un. Voilà. Avec Chuck Norris. T'imagines la couillette. Chuck Norris qui se bat contre Predator. Puis t'as aucune chance. Ah. Donc voilà. Je vous dis, hein, cette semaine, vu qu'il s'est rien passé dans le JT, oh, je suis allé chercher les news au fond du caniveau. Hein. Vous attendez pas du grand JT, bordel. Allez, on continue. On commence à avoir les premières spéculations sur la puissance des 5090. Alors, j'ai eu un doute. Quand j'ai inséré cette news dans le JT, je me demandais si j'en avais pas déjà parlé la semaine dernière. Pour vous dire l'état mental du mec, quand même. Il se rappelle plus de ce qu'il a dit une semaine avant. Ah bah oui, je me fais vieille. Hein. Et du coup, voilà, on commence à avoir les premières estimations. Comparativement à la 4090, bon, 60 à 70% de performance en plus. Bon, sachant que Netflix s'était fait avoir parce qu'ils avaient inclus tout ce qui était frame génération, ils avaient un peu triché. Bon, maintenant qu'on a déjà le frame génération, je pense qu'ils vont arriver avec une nouvelle technologie pour encore gérer artificiellement, créer artificiellement des FPS. Donc là, je pense qu'on peut vraiment tabler sur un vrai gain de voilà, 60-70% si effectivement. Ces premières fuites se vérifient. Après, bon, l'article spécule aussi sur les tarifs. Bon, bah là, j'en parlerai pas. La difficulté qu'il va y avoir, je pense, pour les joueurs, c'est qu'il n'y aura pas de concurrence en face, a priori, quand ces cartes sortiront début. Qu'est-ce qui se passe ? Gérald. Non. Bazoul, qu'est-ce qu'il fait ? Non, non, on va pas commencer. Hein. Ah non. On n'avait dit pas à chaque fois, Bazoul. 5 abonnements. Mais t'as déjà offert 15 abonnements. Ça suffit. Tu vas bientôt regretter de m'avoir rencontré entre les jeux que je te fais acheter, les écrans que je te fais acheter, les cartes graphiques, maintenant des abonnés. Oh, sa femme va me détester. Encore une. Tu me rembourseras. Putain, ouais, remarque, on aurait pu faire un système comme ça. Je t'avance l'argent. Fais des faux subs pour encourager la communauté. Je te rembourse. Oh putain, ouais, mais tu vois, Twitch, ils prennent la moitié à chaque fois au passage. Bah écoute, merci beaucoup. Qui c'est qui les a récupérés ? Bah il y a Gérald Ounet qu'on a récupéré, hein. Bah Akilou, on a Vendetta. Il y a Table à repasser. Un Riser, je pensais qu'il avait un pseudo bizarre, mais alors Table à repasser, celui-là il est magnifique. Et ensuite Yankee 730. Bon, je vais passer le tout live à caresser ce micro, je sais pas pourquoi, je suis très tactile aujourd'hui. Hein. Il est là, il est en face de moi, il est doux. Hein, petit louva. J'ai l'impression que la musique est très forte par contre là. Hein, je vois le potentiomètre qui s'excite. Ouais, je vais péter un tout petit peu. Mieux comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Faut que je pense à regarder la caméra aussi, j'ai perdu l'habitude. Je regarde l'écran, la caméra, etc. Enfin bon. Donc ouais, ce que j'ai dit, c'est que vu qu'il n'y aura pas de concurrence en fait quand ces cartes-là vont sortir,
Oh, on n'est pas à l'abri de prendre une petite douille, hein. Surtout qu'on sait déjà qu'il y aura pénurie, voilà, les scammers, tout ça. Les scalpers. Mais voilà, donc eux, table sur 2 000 $. À mon avis, on est plus, hein. Ah bah, ils le disent à la fin, voilà, que... Et puis qu'il n'y aura pas de concurrence en face chez AMD. À mon avis, on va prendre une grosse douille. Vous n'avez pas fini de voir des vidéos de youtubeurs très en colère en disant que Nvidia c'est des salauds, Nvidia c'est trop cher, c'est une honte. Personne ne vous oblige à acheter, bordel. Allez, on continue. Ah d'ailleurs, vu que je parle de ça, c'était quoi, avant-hier, hier ou avant-hier, je sais plus, enfin bref, on s'en fout. Je suis allé chez Best Buy pour voir s'ils prenaient les précommandes pour les C4, les OLED. On va en parler juste après, les C4, la news est ici, derrière. Vous savez qu'ils arrivent, hein, la gamme C4 au mois de mars, là, ça y est, on est dans le 3 mars, donc ils arrivent ce mois-ci. Donc on a tous les tarifs, on a déjà quasiment tous les specs aussi, ça y est. Bah, tu précommandes, ils sont obligés de les fournir, donc on sait maintenant à peu près tout ce qu'il y a dedans. Mais surtout, je suis allé chez Best Buy pour voir s'ils prenaient les précommandes. Donc Best Buy, c'est l'équivalent de la Fnac, hein, pour ceux qui débarqueraient. Et donc ils ne les prennent pas encore. Ils commencent à solder donc les C3, Amazon aussi ici commence à solder les C3, donc si vous hésitez à sauter le pas, passer sur du OLED pour votre PC de bureau, sur la gamme donc C3, bah ça va être le moment, c'est-à-dire que sur Amazon il y a déjà des soldes, le 65 est son tarif le plus bas jamais enregistré, et chez Best Buy il faisait des grosses promos sur les 42 et 48, pour commencer à s'en débarrasser, pour faire de la place pour les C4. Donc eux, les précommandes n'étaient pas encore ouvertes, alors elles sont ouvertes sur le site de LG aux USA. Donc je sais pas LG France si les précommandes sont ouvertes, ou si Fnac par exemple, ou Darty et Boulanger et compagnie, si, ou LDLC, les précommandes sont ouvertes, mais voilà, ça arrive, ça y est. Et j'ai eu l'occasion de voir donc l'écran LG OLED, mais gaming, vous savez, en 21/9, avec cette fameuse... surcouche anti-réfléchissante. Et ce qui était bien, c'est qu'il y avait un OLED normal et la surcouche, enfin un écran gaming de chez LG, OLED avec cette surcouche anti-réfléchissante. Et ben, je continue à vous le dire maintenant pour avoir eu les deux l'un à côté de l'autre de visu, surtout, n'achetez pas d'écran OLED, même si c'est une dalle LG à l'intérieur, qui a donc cette couche anti-reflet, parce que ça supprime absolument tout l'intérêt de l'OLED. C'est-à-dire que, alors c'est un magasin, donc c'est bien éclairé, mais les couleurs sont hyper fades, et ils passaient la même chose sur les deux, vous savez, ils mettent les capteurs HDMI, donc ils passent la même source sur tous les écrans, donc les couleurs sont hyper fades, et surtout, le noir n'est plus noir. Là, sur un OLED, le noir, bah, c'est de l'encre, vu que les pixels sont éteints. Là, les noirs sont gris, exactement comme sur un écran LED, donc un écran LCD classique, donc surtout, par pitié, n'achetez pas d'écran OLED gaming, cette dalle, cette surcouche anti-reflet, parce que vous allez supprimer tout l'intérêt d'avoir un écran OLED. Voilà, pour avoir eu les deux, ça y est, deux visu, l'un à côté de l'autre, je peux vous garantir que c'est le jour et la nuit, et donc voilà, vous l'un, et puis surtout, ça coûte une couille, c'est-à-dire que le 21/9 était vendu 1 700 $ chez Best Buy, pour donc, ça devait être 42 ou 43 pouces, 45, je sais plus combien il était. Bah c'est le 21/9, ils ont donc une façon LG Ultra Gear, machin. Mais voilà, je vois pas que c'est un OLED en fait, ça n'a plus aucun intérêt. La dalle anti-reflet, et puis en plus, alors c'est le magasin, il y a des lumières, ça reflète quand même. Là, l'écran d'à côté, c'est un écran LCD classique, il y a beaucoup de lumière là dans la pièce, ça reflète quand même, c'est juste que le reflet il est flou, et là le reflet il est net. Je préfère avoir un reflet net. Mais voilà, si vous hésitiez, etc., non, le 48 pouces qui est vendu en ce moment en OLED, que ce soit chez Gigabyte ou chez LG, en 144Hz, avec le traitement anti-reflet, surtout n'achetez pas ça. Déjà c'est plus cher, et vraiment, c'est... la chance d'avoir eu les deux à côté, non. Je le dis depuis des mois, des années, mais là c'est vraiment nul à chier quoi, voilà. Hydro a récupéré Fire. Toujours pas ce que ça veut dire. J'ai dépensé 100 bits pour récupérer Fire, mais je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est des émoticônes que vous achetez là? J'ai pris le dernier QD OLED de chez Alien, il arrive lundi, on verra. Alors les QD OLED, c'est complètement différent. Le seul souci, ils en parlent un peu dans cet article aussi,
Le seul souci, c'est que la technologie est encore trop jeune et que les dalles marquent. Là, celui que j'ai sur le bureau, là, donc c'est un CX, C10, on peut dire les deux. Donc je l'ai depuis combien d'années maintenant? Ça va faire presque 4 ans, parce que je l'ai acheté pendant le Covid en 2020. Donc ouais, c'est ça, 4 ans. Et je touche du bois, il n'y a aucune trace de marquage nulle part, en sachant que je prends la luminosité est au maximum, qui tourne tous les jours. Mis à part le fait que si je m'éloigne du bureau pour un petit moment, sur le Stream Deck, j'appuie sur un bouton, l'écran devient noir, donc il n'y a pas une image qui reste fixe pendant 5 heures d'affilée. Que j'ai désactivé avec la télécommande service les protections, notamment la baisse de luminosité de l'écran, et il n'y a aucune trace de marquage. Les QD OLED, le problème c'est que... il marque. Je sais pas comment dire autrement. Pour l'instant, il marque. Donc voilà. C'est un petit peu le souci de cette nouvelle technologie. Mais qui va évoluer, de toute façon. Après, voir la garantie ou l'extension de garantie lorsque tu achètes ces écrans-là. Est-ce que tu as pu prendre une garantie qui couvre le marquage de la dalle en cas de pépin ou pas? Voilà. Pour l'instant, LG, ça fait voilà, 4 ans qu'il tourne. Il n'y a rien. J'ai gardé les protections de base, à savoir le pixel shifting, où l'image bouge de quelques pixels à intervalles réguliers. Et il y a la protection de logo aussi. S'il y a un logo qui reste sur trop longtemps au même endroit, bah, il baisse la luminosité du logo. Mais le fait que la dalle baisse en intensité lumineuse au fur et à mesure si l'image reste fixe, ça, je l'avais désactivé, j'avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube en parlant de ça. Mais sinon, il est tout à fond, et pour l'instant, il n'y a rien. Donc voilà. J'ai vu cette semaine un 49 pouces incurvé en 60 Hz. Qui achète ça? Pas moi, c'est sûr. Mais voilà. Il en faut pour tout le monde. Hein. Après, ça dépend du prix aussi. Tu as eu le C3 à 1000€ Black Friday. Quelle taille? C'est la taille, faut savoir. Là, le 48 est descendu en dessous des 900$ ici, donc ce qui est quand même très intéressant. Regarde sur rating le Alien AW32QF, pépite paraît-il. Je vais voir, je regarde vite fait, hop. Ah bah tiens, je vais utiliser le nouveau navigateur, tiens. Avec les copains, on est en train de tester un nouveau navigateur. Ouais, j'ai pas le raccourci, c'est quoi ce délire? Ok. Il s'appelle Flourp. Ah, je sais, ils vendent du rêve. Hein. Je sais pas si vous connaissez. C'est basé sur Mozilla, avec toute la télémétrie désactivée. Donc ça s'écrit F-L-O-O-R-P, Flourp. Alors on l'a testé. En mettant Google Chrome et Flourp l'un côté l'autre, avec exactement les mêmes extensions, les mêmes barres des tâches synchronisées, etc. La différence de rapidité et de réactivité est juste bluffante. Et vraiment, c'est pas juste pour faire style que... C'est waouh. Vraiment, vraiment impressionnant. Après, bon, bah, ce qui est chiant, c'est que... Bah, il est synchronisé avec Google, quand t'as tous les appareils Google et que tout est synchronisé les uns les autres, c'est quand même plus pratique. Mais pour tester, si vous cherchez un navigateur qui a pas de télémétrie et qui est super rapide... Alors... Ah mais c'est le Alienware. Bon, ça fait un moment puisqu'il est sorti celui-ci. Et quand je vois le prix, tu vois, 32 pouces pour 1200$. Pour moi, ça reste trop cher. Ça reste trop cher. Après, bon, il est 240 Hz. Après, pour faire tourner les jeux en 4K, 240 FPS. L'intérêt des C4 qui arrivent, voilà, c'est qu'ils sont 144 Hz. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que pour l'instant, il s'est marqué partout 120 Hz. Et que j'ai peur que le 144 Hz soit de l'overclocking, ne soit pas garanti. Donc, ça me fait un peu peur, cette histoire. Mais on va voir. J'avais le 5, 46, 48 aussi et zéro marquage, mais ni pro, ils ont désactivé et bloqué tous les logiciels tiers, du coup bye bye. PowerToy, autant te dire que c'est pas confortable. Ah oui, tu nous avais dit qu'au pour ton PC pro, ils avaient tout bloqué. Alien garantie 3 ans le marquage. Bon, bah, très bien. Bah, 55 pouces pour 1000 balles, putain, oui, c'est très très bon ça. Très très bon, et puis voilà, vu que les copains, certains d'entre vous, bah, Razer, Bazool, ils ont passé le pas... De plus avoir le 48 pouces sur le bureau, mais passer sur 55. Bon, elle m'avait convaincu, donc on passera sur un 55. Je vais laisser le plaquer plus. Prendre sûrement un pied. Ils font des pieds maintenant pour télé. Visser sur le bureau. On va voir comment on se démerde.
Mais voilà, passer de 48 à 55, je vous dirais c'est bien. Moi, ce qui me faisait peur, bah, c'était la densité de pixels, ne pas voir les pixels. Mais bon, vous dites qu'on les, vous les voyez pas, vous. Si je les vois... Tu la vois, celle-là? On voit ta tête encore plus grosse. Putain, pas de bol, ça. Alors pourquoi je vous parlais de MSI? En fait, MSI, ils ont fait un petit coup de pute dans leur gamme de produits d'écran, notamment les QD OLED. Eh ben, ils ont annoncé qu'ils ne réserveraient les mises à jour de firmware que pour les modèles haut de gamme. C'est-à-dire tous les modèles entrée et milieu de gamme, vous ne pourrez plus mettre à jour le firmware. C'est-à-dire que si le produit ne sort pas directement sans défaut, sans bug, impeccable, ben en fait, tu t'es fait avoir. Et on a eu l'expérience récemment de voir, t'es daltonien, de toute façon, tu vois rien. Daltonien, c'est que je vois pas bien les couleurs, c'est pas que je vois pas les pixels. Hein? D'ailleurs, je dois être net maintenant. J'ai changé les réglages de la caméra focus exactement sur cette zone-là. C'est-à-dire que je lui ai dit, si tu vois une tête de tomate, tu restes focus dessus, tu focuses plus sur la tub, là. Et du coup, elle focus sur la tête. Normalement, je suis net maintenant, je ne suis plus flou. Par contre, je crève déjà de chaud, donc je vais commencer à briller, ça va être magnifique. Donc voilà, et ce qui est magnifique ici, c'est qu'il y a un Reddit dédié à ça, où même les gens vont sur le site de MSI en disant que bah, ils annulent leur précommande, parce que tu achètes un produit, et si le produit sort pas nickel tout de suite, en fait, ils n'auront pas moyen de faire la mise à jour. Donc MSI vient d'inventer un nouveau paywall pour les mises à jour de firmware pour des produits haut de gamme. Magnifique. Maintenant, tu veux avoir un suivi de ton produit, achète du haut de gamme. Si tu achètes de l'entrée de gamme ou du haut de gamme, il n'y a plus de suivi de produit. Alors là... C'est honteux! Bravo MSI, de mieux en mieux. De toute façon, depuis l'entourloupe qu'ils avaient fait, vous vous rappelez bien quand il y avait eu la pénurie des cartes graphiques, où en fait ils revendaient sous le manteau des cartes graphiques à deux fois le prix. Je sais pas si vous vous rappelez cette histoire. MSI, je veux bien entendre parler. Déjà que c'est une marque que j'appréciais pas beaucoup, mais alors maintenant. Encore moins. Alors, nos C4. Est-ce que ça vaudra le coup d'upgrader ou pas? Si vous avez un C10 comme moi, un vieil écran, hein, qui a au moins 4 ans maintenant, il a fait son temps. Là, oui, ça va vouloir le coup d'upgrader, parce que bah, on devrait normalement voir un joli gain de luminosité, et surtout le passage donc, de 120 à 140 kHz. Là où c'est plus compliqué, c'est si vous avez un C2 ou un C3, est-ce que ça va vouloir le coup d'augmenter, d'upgrader? Je pense pas. En termes de luminosité, à moins de passer avec une sonde. Pas. Donc là, si vous voyez faire des choses, des mouvements bizarres, c'est que j'ai un joystick là. Ça... Oh, ça me détend. C'est pas que. C'est pas que je caresse quelqu'un ou mon chat, c'est juste le joystick qui est là. Il remue la queue, il est con. Si vous avez un C2 ou un C3, je pense que ça servira à rien. Mais par contre, si vous avez été patient, hein, très patient, beaucoup trop patient, trop longtemps que ça dure. Hein? J'ai résisté pour le C2. J'ai résisté pour le C3. Pour le C4, on casse la tirelire. Donc si vous avez été patient... Oh, c'est pas la bonne scène. Si vous avez été très patient, du C10, oui, ça vaudra le coup. À confirmer, je vous dirai, donc, pour cette histoire des 144 Hz, si on arrive bien à l'activer tout de suite ou pas. Les 4 prises HDMI seront bien 4 prises d'HDMI 2.1. Les 4. Il y a plein de télés qui sont vendues aujourd'hui où il y en a une sur les 4. Là, les 4 seront bien HDMI 2.1. En termes de nouveautés, donc si vous l'utilisez comme écran moniteur PC, ça sera à peu près tout. Hein. Un peu plus de luminosité et puis ben, voilà, les 144 Hz au lieu des 120 Hz. Alors, faut pas se mentir. Hein. Et le Momo a banni Another TV Viewer. Oh putain, encore des bots. Merci Momo. J'imagine qu'AG ont mis pour nous une prise de DisplayPort. Non, malheureusement, il n'y a pas. Alors, j'ai vu passer un truc très très vite fait. Je sais plus où je l'ai vu, que la nouvelle norme DisplayPort serait plus lente que le HDMI 2.1. C'est à vérifier, à voir. Ça brille, bah, je crève de chaud, vous imaginez même pas en plus. J'ai la fenêtre ouverte pourtant, mais il fait de chaleur. Donc pour l'instant, on sera bloqué en HDMI, hein, je suis désolé. Ça fait entre guillemets chier, mais bon, dans les faits, à l'usage au quotidien, on voit pas la différence. Le seul truc qui aurait été bien, c'est que l'écran puisse s'allumer et s'éteindre tout seul. Comme un vrai moniteur PC, pas comme une télé où il faut avoir la télécommande sur le bureau pour l'allumer et l'éteindre. Ça, c'est un peu relou. Et donc, ouais, donc...
Si vous l'utilisez en mode PC, les deux seules nouveautés, voilà, c'est le passage à 144 Hz. Après, voilà, est-ce qu'on va le sentir ou pas? C'est comme la fibre optique à 5 gigas, est-ce qu'on le sent? Histoire de dire que. Et un peu luminosité. Après, par contre, si vous l'utilisez, vous achetez l'écran pour l'utiliser comme télévision, enfin, sur la 7e génération de puce Alpha, où là, pareil, donc, bon, l'image, ça sera toujours pareil, mais c'est sur l'audio où apparemment ils ont encore bien bossé. Et tout ce qui est spatialisation audio, etc. Pour ceux qui l'utilisent comme télévision, là, vous y verrez un gain. Si vous avez un C2 ou un C3, ou vous venez juste d'acheter un C3, le C4, je pense, ne représentera absolument aucun intérêt pour vous. En termes de sortie, donc ça sort là sur le mois de mars, en termes de tarifs, je vous donne les tarifs US, hors TVA, évidemment. Alors, dites-moi si je me trompe, mais on est grosso merdo au même tarif que l'année dernière quand les C3 sont sortis. Donc c'est-à-dire qu'on commence à 1005 pour le 42, 1006 pour le 48, 2000 pour le 55. Et c'est là où ça fait écho à une vidéo que j'ai regardée hier, où il montrait, en fait, il y a une association, je vais mettre en plein écran, je me demandais plus comment ça s'appelle, qui en fait donne les prévisions de vente sur les télévisions pour le monde entier, chaque année, un peu les prévisions, savoir est-ce qu'il va se vendre de l'OLED, pas de l'OLED, quelle taille, etc. Vous retrouverez peut-être l'article, ou si vous l'avez vu passer, ce truc-là, le nom de cette association, je sais plus, c'est un truc de professionnel, d'industriel, où en fait, ils tablaient, donc quand ils ont sorti leur rapport fin d'année 2023, ils tablaient pour une augmentation de la vente de panneaux OLED de près de 30%. LG avait répondu immédiatement en disant « On est prêt, on va ramp up la production, et voilà, on pourra suivre la demande, etc. » Sauf que ce qui n'avait pas été anticipé, c'est, bah, j'en fais partie, donc maintenant, donc je peux en parler, c'est des gens qui préfèrent la taille à la qualité. On se comprend. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit sur les présentes live, moi j'ai viré le rétroprojecteur que j'avais, l'ultra de courte focale, et j'ai acheté une télé de 100 pouces. À 2000$. Et là, si vous regardez, on est à 2000$ pour 55 pouces. C'est-à-dire quasiment moitié moins grand. Et donc cette association industrielle a modifié, après le Black Friday, qui est la période de l'année aux États-Unis où on vend le plus de télévisions, parce que c'est là où ils n'utilisent pas tous pour les vendre, a changé les perspectives pour 2024, et en estimant que le comportement du consommateur a changé, et qu'aujourd'hui les gens préfèrent se concentrer sur de la grande taille, quitte à avoir une image un peu moins bonne, plutôt que d'avoir une petite taille, avec une image de très belle qualité. Et ça, c'est le parfait exemple. Si vous voulez une très très belle image, bah vous prenez un C4 à 2000$, mais vous avez 55 pouces. Et si vous mettez ce même budget, bah vous pouvez avoir une image bah, plus que correcte, hein, faut peut-être quand même pas charrier, en ayant 100 pouces. Moi, c'est le choix que j'ai fait, hein, je le regrette absolument pas. Et pareil, dans cet article, la personne donc, qui relevait les informations disait aussi, quand on compare un OLED de 100 pouces ou 98 pouces qui coûte 10 fois plus qu'une télévision à 2000$, est-ce que l'image est 10 fois plus belle? Absolument pas. Voilà, là où ça va briller évidemment, c'est quand l'image est noire, ou peut-être la puce pour le traitement de l'image, parce qu'il faut être honnête, hein, la puce TCL sur la télé que j'ai, elle fait le café, mais très très faiblement. C'est pour ça que déjà j'ai désactivé tout ce qui était IA, parce qu'il y a plein de trucs, il y a IA pour le son, IA pour l'image. Tout est désactivé, tous les traitements de l'image, tout enlevé pour avoir l'image la plus basique et la plus neutre possible, parce que la puce est pas bonne, hein, faut dire ce qui est, mais l'image reste superbe. Hein. Comparé à un projecteur ultra courte focale, ils en parlent aussi dans l'article, j'en avais parlé la semaine dernière, je crois, la plus basique des télés 100 pouces sera quasiment à chaque fois toujours meilleure que le plus haut de gamme des projecteurs ultra courte focale. En termes de contraste, en termes de luminosité, en termes d'équipement à l'intérieur, en termes de son, en termes de tout. Voilà. Et donc voilà, c'est intéressant de voir que bah, si tu veux une belle qualité d'image, t'es à 2000$ pour 55 pouces, et qu'aujourd'hui les consommateurs donc, bah, partent plus sur la grande taille pour le même prix que sur la qualité d'image, ce que je comprends. Et l'article donc prévoit pour donc, 2024, au lieu d'avoir plus 30% en termes de vente de panneaux OLED, ils ont prévu une courbe totalement plate, donc ils estiment qu'il ne se vendra pas plus que l'année dernière de panneaux OLED. Par contre, en termes de grande taille, c'est là où la courbe, elle monte et elle explose. Donc les gens, aujourd'hui, 2000$, ça reste une somme.
sais pas quel est le prix de vente moyen d'une télévision aux États-Unis, mais pour 2000$ entre une 55 pouces et une 100 pouces, bah voilà, à moins d'être un ultra puriste, etc., tout le monde va partir sur une télé à 100 pouces, 200 pouces. Voilà. Cet après-midi, j'en ai profité pour jouer dessus. Et jouer sur un écran de 100 pouces. En plus, c'est des écrans qui ont quand même des ports HDMI 2.1, 120 Hz, FreeSync, G-Sync, Ultra Low Motion Blur, machin, HDR. Il y a tout, en fait. La dalle monte jusqu'à 240 Hz. C'est compliqué de se dire que pour le même prix, t'achètes 55 pouces. Là, tu vois, dire que potentiellement, je vais remettre le même prix que les crédits du salon pour avoir un petit moniteur. Ça fait quand même bizarre, voilà. Et du coup, je sais de retrouver, je sais plus comment ça s'appelle. Faites voir, peut-être que je peux retrouver table OLED dans les articles que j'ai lus. TV Predictions, non, ils en parlent pas. Je sais plus comment ça s'appelle cette association d'industriels qui fait les prédictions. Je me rappelle plus. Tombé là-dessus, j'ai trouvé que c'était très intéressant. J'ai pas pensé à le garder pour le JT, mais voilà. Donc je continue, donc 65 pouces, on sera donc à 2700, 77 pouces, on est à 3700, et 83, on est à 5400, donc ça commence à faire. Hein. Pour moi, c'est beaucoup trop cher, mais bon, ouais, c'est les prix à la sortie. On sait que chaque année, au bout de 6 mois, on commence à avoir les premières remises. Donc si vous êtes patient, moi je pense pas déjà que je mettrai 2000 dans le 55 pouces. Donc il sera pas autour de 1600. Voilà. Il n'aura pas déjà baissé une première fois. On va attendre. Et pourquoi pas un G4? Parce que pour le bureau, c'est du gâchis. Et je pense que c'est beaucoup trop lumineux surtout. Beaucoup trop lumineux. Tu vas avoir une fatigue. Trop lumineux pour le bureau. Pour regarder la télé, c'est y a de mieux. Mieux. Mais en écran en moniteur PC, je pense que c'est beaucoup trop. Et donc ça, voilà, c'est les précommandes qui sont ouvertes et vous avez aussi les garanties LG supplémentaires avec les tarifs aux US. Donc ça peut intéresser. Ganicus, voilà, le C355. Là, je suis à Best Buy aussi pour voir quoi, parce que j'ai commencé à trouver sur Internet qu'il y avait des gens ou des boîtes qui commencent à vendre les C3 en faisant des grosses remises. J'étais tombé sur un bon coup pour une C3 à 55 pouces. Franchement, j'aurais acheté une C3. Si tu tombes sur un C3 à 1000, 1100, 1200, ça commence à être sympa là. Pour regarder Netflix et la télé en France, ça suffit, pas besoin d'une image de dingue car les flux vidéo sont pas top. Si tu passes par les plateformes de streaming, oui, après si tu récupères du contenu de bonne qualité, c'est toujours agréable d'avoir une bonne image. Après, je valide totalement l'article dont je vous parlais tout à l'heure de dire que même une télé entrée de gamme, je mets des côtes, voilà, mais voilà, la télé que j'ai acheté, c'est une télé entrée de gamme. 2000$ en pouce, c'est entrée de gamme. C'est bien mieux que le projecteur que j'avais payé presque 4000, plus 1005 d'écran. J'ai délirant. Voilà. Je pense que les télés gros format vont détrôner rapidement les projecteurs ultra courte focale. Et je pense que 2024, c'est l'année où ça va se démocratiser 100% à 100%. Et à partir de 2025, on commencera à voir les 115 pouces à des tarifs non équivalents à ce qu'on a aujourd'hui. Je ne serais pas étonné que début d'année prochaine, on commence à avoir des 115 pouces autour de 2000 ou 2500$. Et là, voilà, c'est fini, tu n'achètes plus de projecteur. 115 pouces pour 2500$, c'est fini. Bonjour à Overgreen qui vient d'arriver. Coucou à Riser Rune. C'est quoi c'est... Pourquoi il a mis un cobra? Tu gobes quoi? Ganicus qui vient de sub, mais oh merci beaucoup. On a 40 subs. Bon, Bazoul a déjà pris 15. Bazoul et Riser à E2, je crois qu'ils sont déjà à 20 ou 25. Merci beaucoup, c'est gentil. 40 subs. C'est beaucoup ça. Merci beaucoup, c'est très gentil, ça fait plaisir. Je continue. Après, pour les amateurs d'images, c'est sûr que... Il n'y a pas la suite. Les TCL, quel enfer les réglages? Non, pourquoi? En fait, le problème, c'est si tu veux utiliser leur puce, en fait. Leur puce fonctionne bien.
jusqu'à un certain point, et surtout, moi j'ai remarqué que c'est particulièrement lorsque l'image est sombre. Dès que l'image est sombre, tous les paramètres d'amélioration de l'image, que ce soit la fluidification du mouvement, dégrainage, sharpening, etc., l'image, je sais pas, c'est comme si l'image ramait, comme dans un jeu vidéo, c'est comme si elle se mettait à ramer, et franchement, c'est dégueulasse. Après, tout ce qui est motion flow, pareil, ça se règle sur 10 niveaux. Dès que tu dépasses le 5e niveau, dès qu'il y a une scène rapide, tous les contours des personnages, tu as plein d'artefacts dégueulasses. Donc j'ai tout enlevé. Pareil, quand tu passais en Dolby Vision, tu passes en couleur chaude. Tu sais pas pourquoi. Je vais remettre la télé en couleur neutre, en fait. Et franchement, non, l'image est propre. Hein. Et puis avec la bande de LED derrière de chez Govee, franchement, quand tu joues, c'est vraiment incroyable. Quand tu joues, c'est vraiment très très sympa. Pour ceux qui hésitent à mettre du rétroéclairage à l'arrière de leur télé, de l'ambilight, pour les films, c'est pas forcément indispensable, surtout que la plupart des films ont des bandes noires en haut et en bas, et quand il y a les bandes noires en haut et en bas, bah, l'ambilight marche quasiment pas. Pour les films qui sont en plein écran, là oui, là c'est vraiment sympa. Surtout quand t'as des scènes qui sont très colorées, par exemple une scène où il va y avoir beaucoup de bleu comme dans Avatar, ou une scène où il va y avoir beaucoup de rouge, où il y a un incendie, t'as tout ton mur et de la couleur de la télé, il y a une immersion qui est incroyable. Voilà. Donc c'est vraiment sympa. Mais pour les films, je dis que dès qu'il y a des bandes, nous, moi je l'éteins. Par contre, quand tu joues, j'ai testé tout à l'heure, je joue à Uncharted en ce moment. Ouais, quand tu joues, c'est vachement sympa. Voilà. Mais les réglages, ce qui est drôle, j'ai pas trouvé qu'il y ait des réglages particulièrement chiants. Pas plus que les autres télés. Hein. Ensuite, il y a Just a Number to Them qui est revenu, coucou. Est-ce qu'on a essayé LG TV Compagnon pour éviter d'utiliser la télécommande pour allumer et éteindre l'écran? Évidemment. Le problème, c'est que ça marche quand ça veut, et que surtout, moi le problème, c'est qu'on a une deuxième télé LG dans la maison, et en fait, un coup s'allume celle-là, un coup s'allume l'autre. Pourquoi? Donc j'ai jamais réussi à le faire fonctionner comme il faut. Après, la télécommande, elle est là. Elle est posée sur le bureau, quand t'allumes le PC, t'allumes l'écran, bon. C'est pas plus emmerdant que ça, mais j'ai testé, et pour moi, je suis pas convaincu, donc je l'ai enlevé, puis d'avoir un truc qui tourne en permanence. ensuite, j'ai essayé, je sais pas pourquoi, c'est ce dessin qui, l'app ne fonctionne plus. Chez Philips, avec l'app PC, les bandes noires affichent quand même la couleur. Alors, là, le Govee va t'afficher de la couleur, mais en fait, comment expliquer? Quand la couleur qui est envoyée sur le mur correspond à ce qu'il y a sur les contours de l'écran, ça paraît naturel et c'est ça augmente l'immersion. Par contre, quand t'as une bande noire avec de la couleur au-dessus, je sais pas comment dire, mais en fait, ça fait bizarre. Voilà. Et après, tu regardes des films qui sont très sombres aussi, ça perd de l'intérêt. Parce que les Govee, par exemple, tu ne peux pas éteindre les LED totalement. Ne me demandez pas pourquoi, c'est un défaut, ils sont au courant, tout le monde se plaint dans l'application. Quand tu as par exemple un écran tout noir, la bande LED se met bleue. Tu ne peux pas avoir les LED qui s'éteignent complètement, ce qui est complètement crétin. Mais voilà. Alors, on continue. Nintendo, qui attaque Yuzu. Alors, il y a deux émulateurs Nintendo Switch qui sont très populaires. Vous avez Yuzu et vous avez... Moi, j'utilise pas Yuzu, j'utilise... je vais vous dire ça dans une seconde. Switch Ryujinx. Bien sûr, c'est pas pour pirater. Pour pouvoir jouer aux copies de sauvegarde de vos jeux Switch. Enfin bref, Nintendo attaque. Vous savez que Nintendo, ils ont le procès facile, Nintendo. Ils attaquent. C'est pour ça que ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont pas attaqué Palworld. Je pense que vu que eux avaient déjà totalement pompé leurs Pokémon sur d'autres jeux. Ils se sont dit, on va pas trop attirer l'attention quand même. Faudrait pas que ça nous pète à la gueule, cette histoire. Et du coup, ils attaquent Yuzu. Alors, ils attaquent pas... Alors, Yuzu ne fournit pas de... ne fournit pas de jeu, évidemment. C'est juste un émulateur. Ils les attaquent en expliquant que la plainte, c'est qu'ils facilitent... Donc, pas le piratage, mais... le contournement des systèmes de protection et d'encryption de leurs jeux. Là où ça va être compliqué pour Nintendo, c'est que Yuzu ne fournit rien, donc ils ne fournissent pas bien sûr les ROM,
Mais surtout, il faut avoir donc des firmware pour faire fonctionner les jeux. Firmware que tu récupères en fait sur les Switch. Mais c'est à la personne qui télécharge le logiciel de mettre le firmware dans le logiciel. C'est-à-dire que Yuzu ne fournit rien, comme Ryujing, c'est à vous de fournir tous les éléments qui font que les jeux fonctionnent. C'est là où ils sont malins. Donc il va falloir prouver qu'ils facilitent le contournement des protections. Et là où Nintendo, en fait, ce qu'il demande, donc bon, de l'argent évidemment, il demande donc la suppression de tout ce qui est donc nom de domaine, réseaux sociaux, etc. Et il demande la destruction complète de tous les disques durs de la compagnie. Pour être sûr que ne subsiste aucune trace du code source. Ouais, ça très très fort. Dans le procès, tu demandes la destruction des disques durs. On rigole pour hein. Donc à suivre, voir ce que ça va donner cette histoire. Yuzu donc était connu, vous l'avez dû le voir sur le Steam Deck. Pour ceux qui ont un Steam Deck, vous l'avez peut-être déjà installé. Donc voilà. Et pour ceux qui voudraient faire de l'émulation Switch, ça fonctionne très bien. Bon, on a une Switch à la maison, donc c'est pour tester avant d'acheter. Hein, il a marre de se faire avoir, toujours, d'acheter des jeux de merde. Mais ça fonctionne très bien. Ensuite, on a parlé un peu la semaine dernière ou la semaine d'avant. Il y a des vagues de licenciements énormes dans le milieu du jeu vidéo, puis de la tech un peu plus en général, dans le développement. Donc là, c'est Electronic Arts qui licencie 650 personnes. Donc c'est quand même pas rien, mais c'est pas les seuls, hein, parce que vous avez aussi, hop, je me remets dessus, vous voyez, ah oui, c'est bon, vous voyez ce que je vois. Donc là, l'article dit, en 2023, il y a 10 500 personnes qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo qui ont perdu leur boulot, 6 000 personnes juste en janvier, et vous avez des gros, bon, Microsoft, quand ils ont racheté Activision, bon, ils ont supprimé les postes qui étaient dupliqués, donc ça c'est normal, Riot Games, Unity, Sony qui a annoncé donc mardi qu'ils allaient supprimer aussi 900 postes. Donc ça fait beaucoup, en sachant que l'impact que ça va avoir, c'est qu'il y avait un jeu Star Wars qui était en développement, un FPS qui était en développement chez Electronic Arts, et il a été purement et simplement annulé suite à toute cette vague de licenciements. Et c'est pas les seuls. Hop. Si vous suivez un peu le projet Star Citizen, CIG est en train de licencier aussi. Mais là où c'est... Alors c'est pas des licenciements massifs, Et puis c'est fait de façon... Alors, il y a eu un drama dans la communauté Star Citizen. C'est une communauté qui est très particulière. Star Citizen, il y a eu un drama énorme. Parce qu'en fait, il y a quand même trois des plus grosses têtes du studio qui sont parties, des gens qui sont là depuis le début. Vous avez donc le lead producteur, vous avez donc le game director, et vous avez l'assistant designer director qui sont partis, qui étaient des piliers quand même du développement du jeu. Alors, est-ce qu'ils sont partis? Est-ce qu'ils se sont fait virer? Le truc qui est en train de se passer, c'est que CIG, l'éditeur donc, de Star Citizen, a déménagé une partie de ses studios et son personnel à Manchester pour profiter de toutes les tax cuts, donc pour payer moins de taxes, pour avoir des avantages fiscaux. Ils ont obligé une partie du personnel à déménager, qui était à Los Angeles, ont dû partir. Alors il reste des studios au Canada, si je dis pas de bêtises, studios qu'ils ont rachetés récemment. Il y a des studios à Los Angeles, il y en a aussi en Allemagne, ils en ont où aussi. Il y en a encore un ou deux en Europe. En fait, ils sont en train de déplacer leur personnel vers l'Europe. Officiellement, c'est pour avoir tout le monde sous le même toit, pour qu'il y ait une meilleure coordination, etc. Officieusement, c'est pour faire des économies. Déjà, les gens qui ne veulent pas déménager, il y a une Française d'ailleurs qui a démissionné, qui a mis sur Twitter... Qui a démissionné, pourquoi elle démissionnait, etc. De manière totalement publique. En disant que c'était une société qui était toxique. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'annoncent à la dernière minute, bon bah ton poste maintenant, tu seras plus à Los Angeles, tu es à Manchester, faut que tu déménages la semaine prochaine. Pour obliger les gens en fait à démissionner d'eux-mêmes. Donc de les virer. Et donc officiellement, c'est pour avoir tout le monde sous le même toit. Officieusement, ça ressemble beaucoup à une économie de salaire. Il faut savoir que, par exemple, ici, aux USA, en Californie, un game designer, il va gagner entre 10 et 15 000 dollars par mois. Je pense qu'à Manchester, il sera peut-être entre 6 et 8 000 euros par mois. Donc voilà, si tu divises son salaire par deux, c'est des économies. Et je pense que ces trois têtes, on leur a dit, bon, bah maintenant, il faut quitter les États-Unis, il faut venir vivre à Manchester sous la pluie, et on va vous donner le salaire normal ici. Donc vous ne serez plus à 16 000 par mois, vous êtes tombé à 6 000 ou à 7 000. Bon, les mecs, ils ont dit, ça va, on s'en va, quoi.
Donc voilà, ça fait un énorme drama si vous suivez Star Citizen. Il y a plein de vidéos où les youtubeurs ils s'insultent entre eux, ils font des reacts. Ils... Heureusement que je parle plus de Star Citizen sur ma chaîne parce que les gens sont fous dans cette communauté. Mais voilà, ça fait beaucoup d'emplois supprimés dans le monde du jeu vidéo. Je commence aussi à avoir quand même les limites du triple A. Vous voyez tous les gros studios comme Ubisoft qui ont sorti ce Skull and Bone dégueulasse qui a coûté plus de 200 millions de dollars. Et tu vois des petits jeux voilà, comme Helldivers ou Palworld, des trucs qui sont sortis de nulle part, qui ont des cartons. C'est comme si l'industrie est en train de changer parce que les clients changent et que les managers de toutes ces grosses boîtes savent plus du tout comment vendre du jeu vidéo en fait. Alors c'est pas compliqué, il faut juste nous donner ce qu'on veut. Et ils sont perdus. Ensuite, on avait encore comme news de jeux vidéo, donc vous avez Remedy qui a sorti récemment Alan Wake 2. On en a parlé aussi dans le JT d'il y a 15 jours. Je vous disais qu'ils ont fait ils ont dépassé je sais plus combien de millions de ventes de copies d'Alan Wake, mais ils n'avaient toujours pas remboursé les frais de développement. Bon, le développement de Control 2 a démarré. Control 1, c'était pas un truc extraordinaire, mais c'est sympa. Voilà, c'était un jeu moyen. Control 2 a démarré. Que ça peut intéresser. Et ils sortent aussi un spin-off multijoueur dans l'univers de Control 1. On verra ce que ça donne. Ensuite, c'est ce que je disais au début du JT, donc Helldivers, ce petit jeu sorti de nulle part presque, qui a fait un carton monstrueux. Donc le Stream Deck fonctionne à nouveau pour lancer les stratagèmes. Pour ceux qui savent ce que c'est, les stratagèmes, c'est des perks que des bombardements aériens par exemple, et en fait il faut faire une combinaison de touches en fait, combinaison de touches. Et ceux qui ont un Stream Deck, on peut utiliser le Stream Deck pour faire les combinaisons de touches à notre place, donc c'est magnifique. Ça avait été bloqué par l'anti-cheat pendant quelques jours, c'est revenu. Et vous avez donc directement, c'est El Gato, hein, qui a sorti donc un profil officiel pour Helldivers, donc que vous pouvez télécharger directement pour pouvoir lancer. Il y a du rap sur ma chaîne là. Non, j'entends du rap, c'est bizarre le fond. Vous pouvez télécharger directement ça dans votre application de votre Stream Deck pour pouvoir faire vos stratagèmes. Sans avoir à faire chier à taper les combinaisons en touche, le profil est complet. Voilà, plus besoin de récupérer les icônes en train de se faire chier pour tout faire. Tout est dedans. Voilà, faites-vous plaisir. Si vous n'avez pas essayé ce petit jeu, c'est très sympa. Attention, le contenu reste quand même très limité. Au bout de 15-20 heures, on a déjà fait un peu le tour. Mais voilà, il y a beaucoup de contenu qui arrive, ils sont en train de teaser, là on a les mecs qui débarquent, ça devrait être sympa, c'est un jeu qui va être suivi, donc... Et puis c'est vendu 30 balles ou même pas, 25 ou 28 balles. Pff. Voilà, le prix d'un gros McDo, quoi. Qui nous amène à... Fractured Mind. Enfin, un truc, là. Donc je disais au début du JT, on commence à voir popper un peu partout des vidéos de jeux, ça en bodycam. Des FPS photoréalistes. Donc celui-ci, on va pouvoir le tester. Donc je l'ai téléchargé, je l'ai installé. Je vais vous mettre le lien si vous voulez faire l'expérience aussi par vous-même. Je vous mets ça dans le chat. Tac, tac. La France, un paradis pour les entreprises, tu m'étonnes. Il y a le paradis fiscal et en France, c'est le paradis fiscal. Donc on va tester ça ensemble. Donc si vous étiez là que pour le JT, bon, c'est la fin du JT. Hein, il ne s'est rien passé de cette semaine d'extraordinaire. Donc on va partir tester ce truc-là. Alors je l'ai juste installé, je l'ai lancé pour voir si ça fonctionnait. Ce qui m'emmerde, c'est qu'a priori, j'arrive pas à mettre la souris inversée au bas. Donc quand je vais vouloir lever la tête, ça va la baisser. Donc si j'ai l'air d'un peu d'un gogo au début, ne m'en voulez pas. Tu peux pas changer 25 ans d'habitude. Donc on va se lancer ça. On va voir ce que ça donne, alors c'est peut-être nul à chier. Mais voilà, c'est un jeu horrifique, donc si on a du jeune public, voilà, si vous êtes les parents, je préviens, attention. Faut peut-être les éloigner de la télévision maintenant. Oh, mon Stream Deck, il rame comme ça, c'est incroyable. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va peut-être baisser un peu les lumières. J'aime mon Stream Deck, on va pouvoir enlever quoi? On va enlever peut-être ça. On va peut-être enlever... Ça, non, ça on le garde. Ça, on le garde. On va éteindre ça, on n'a pas besoin. On va éteindre ça, on n'a pas besoin. Oh, tu sais quoi, je vais pas me faire chier, je vais faire avec la télécommande, ça ira beaucoup plus vite. Voilà,
va se mettre comme ça. Voilà. On va baisser un petit peu l'intensité lumineuse des deux phares que j'ai au-dessus de la tête. On va passer à... Ça reste un peu net encore quand même, ça va là, 15%. C'est un jeu qui fait peur, qu'on se mette dans l'ambiance. Hein. On va se mettre comme ça. Je vais mettre un retour vidéo à gauche pour voir ce qui se passe. On va couper le son par contre. Je ne m'entende pas en triple, ça va. Une fois, ça suffit. Voilà. Et on va se lancer le jeu tranquillement. On va changer aussi le titre du flux. Découverte de... Voilà, alors ça c'est magnifique. La dernière version d'OBS, tu peux changer directement. Tac. Que les gens vont voir. Et au lieu de just chatting, on peut changer catégorie. Fractured Mind, il est déjà ou pas? Il est déjà. Ah non, c'est pas le bon jeu. Alors, il y a Fracture Minds, mais ça n'a pas l'air d'être le même jeu, à mon avis. Il n'y a pas une catégorie gaming. Gaming late at night. 23 spectateurs, merde. C'est nul, ça. Ils ne connaissent pas le jeu. C'est quoi, Fractured Minds? C'est la même chose ou pas? Faites voir. Jamais, c'est peut-être juste une faute de frappe. Oh non, ça n'a rien à voir. Pas du tout le même jeu. Bon, on va se remettre sur Just Chatting, alors. Je vais te dire. On va rester comme ça. Alors, on va le lancer. On va couper la musique. Musique en pause. Et on va se lancer le jeu. Tac, je vais me remettre sur le profil. Tac, games. Donc la démo est gratuite, hein, vous pouvez la télécharger, l'installer. Oh, faut que je mette le casque. Voilà. Je vais me mettre comme ça. Bon, j'espère que ça fonctionne bien. Attendez, faut que je mette le chat quand même. Voilà. Voilà, je fais un test. Pour voir que le chat fonctionne. Alors, déjà on est en QWERTY. Passé. Allô. Ah ça y est, je peux avancer. Alors, on se remet comme ça. Bon, j'ai l'impression que mon chat marche pas. Je vais le mettre sur le téléphone, ça sera peut-être mieux. Voilà, je vais mettre le chat là-dessus. Tiens, on peut envoyer un petit message dans le chat juste pour vérifier que ça fonctionne. Ça serait adorable. Alors... Graphiquement, tout est à fond. Il y a juste ça qu'on peut pas cocher. C'est un truc de fou. On peut pas cocher la souris Y. C'est un truc de fou. Ah, merci beaucoup. C'est bon, ça fonctionne impeccable. Pourquoi on peut pas cocher la souris? Je ne sais pas. Ça, c'est un truc à la con, ça. Bon. Ah bah si, ça y est. Bon, bah, alors vraiment. Alors, est-ce que vous avez le son?
Alors pour l'instant, ah putain, alors déjà, il y a un effet de lentille qui est très désagréable, ça file la gerbe. Est-ce que vous avez bien le son du jeu si je tire là? Merde, ça gueule. Hein. Bon, bah allez, on est parti. Hein. On va voir ce que ça donne. Oh, les contrôles, c'est très très bizarre. En fait, quand tu bouges la souris là, ça bouge pas l'écran comme sur un FPS classique. Ça, en fait, ça bouge l'arme. Un peu comme sur un rail shooter à l'époque des vieux jeux. Merci beaucoup pour le son. J'ai prévu un saut. Ouais, c'est... Alors, est-ce que c'est photo réaliste? Ce qui fait photo réaliste, c'est que ton arme est floue, en fait. Voilà. Mais après... est-ce que c'est plus joli ou plus réaliste qu'un jeu classique? Alors, c'est censé faire flipper, on va voir, hein. Ok, bon, on va avancer. Oh, putain, ça file la gerbe, hein, par contre. Oh j'espère qu'ils vont pas me faire traverser toute la rame pendant 2 heures. On dirait que tu joues à un jeu VR, ouais. Bon, elle s'ouvre cette putain de porte ou comment ça se passe? Si. Ah. Ah, c'est ça, qu'il y ait les instructions. Alors, faire attention aux petits détails. Il va nous falloir 5 lettres pour ouvrir le cadenas. Il y a des choses cachées à travers le jeu. Il va falloir compléter le corps avant d'arriver à la fin. Et ça ne cassera jamais le quatrième mur. Ok. Un jeu développé pour la RATP. Bah non, le métro roule, il est pas en grève. Bah par contre, alors là tu vois, quand t'arrives à ton quatrième wagon qui s'est rien passé, tu te demandes est-ce qu'en fait il y a pas un truc à faire, est-ce que c'est pas une boucle? Donc j'ai pas fait quelque chose, je suis bloqué dans une boucle. Tu vois, j'arrive au même niveau en fait à chaque fois. Regardez les détails. On peut se baisser ou pas? Non. Ah si, on peut se baisser. Bon alors, on n'est pas sur du ray tracing de haute qualité. Les portes sur les côtés. Ouais, c'est la même porte en fait à chaque fois, on est dans une boucle là. Peut-être entrer dans celle-là en fait. Peut-être là le début du jeu, non? Non? Il y a des chiffres, 8805. Ah, ne gaspillez pas vos balles. Vous en aurez besoin plus tard. Putain. Les petits détails. Bloqué dans le sous-sol du métro Tokyo, tu es dans une boucle temporelle, il faut remarquer la différence entre les différents couloirs. Oh, bah alors s'il faut remarquer la différence entre les différentes rames, bon, on est toujours Northwood Bay. On s'en fait une de plus, mais... Comme si ça c'était un sas et hop ça reload. Ah
Hop, si je reviens. Là, il n'y a plus le petit panneau. Là, il est bien le panneau close sur la rame du fond. Mais il n'y a plus le panneau close de là. Roumanie. Non, là, on a avancé d'un niveau, là. Toujours 8855. Ouais, 8855. 8805. No exit. Qu'est-ce que ça dit là? En retard, ok, donc ça c'est bien la RTP. C'est la fin de la démo. T'imagines? Non, parce que là le wagon, on n'a pas le closed. Donc là on serait sur un deuxième wagon. Oh, attends, je vais augmenter la sensibilité, c'est très désagréable à jouer là. Là je peux pas peut-être. Si. On va l'augmenter. Ah putain. On va l'augmenter un peu. Ah. Bah c'est trop là. Oh. Et ça, il arrête pas de bouger ce putain d'écran là. Oh là, oh là. Oh. Si vous avez des suggestions, j'ai vu un bouton rouge. Il était vers la fenêtre là-bas, mais tu crois que c'est ça là? Ah, il faut peut-être appuyer sur un bouton pour arrêter la rame. Non, je peux rien faire là. Il n'y a pas de traces de sang. Ah, oh, il y a un truc par terre là. Un ticket déchiré, ok. Ah. On s'est arrêté, non? On a redémarré. Ouais, t'as vu les... On va voir que... Pour moi, c'est original. Hein. Je peux dire les qualités. Bon, bah, je ne sais pas. Vous avez une idée, dites-moi. Je... Par contre, ça rame, hein. Je suis à 56 FPS. Je me disais le jeu rame, mais en fait, oui, oui, il rame très fort. Non, on avance bien. Tu vois, il n'y a plus marqué là-bas, exit. Donc ça avance, par contre. C'est 30, 8805. Ouais, il va falloir remonter jusqu'où, bordel. En faire encore une après sinon allez mais 2 heures à ouvrir celle-là à chaque fois. C'est 30 et là c'est 30 aussi. Ah bah là on est repassé à... on a fini la boucle. Bah je comprends rien là, putain. Tu vas finir par arriver dans une rame avec des jambes, j'aimerais bien, mais... Vous êtes sûr? Y a pas quelque chose à faire? Y a peut-être quelque chose à faire? J'ai l'impression que c'est une boucle, là, on est revenu à... À la rame de départ, là. Je peux pas tirer n'importe où, j'aurais bien commencé à faire un carnage, mais ils ont dit qu'il fallait garder les balles. Je vais passer toute la démo à marcher dans les couloirs, bah ça va être me saouler. Hein. Sérieusement quoi. Allez, ouvre-toi. Hein. L'interphone sur la droite, peut-être. Interphone.
Vous avez vu un interphone où? Un interphone? Ah là? Que dalle. Ah, là l'écran il est noir. Pourquoi il est noir? Faut peut-être ranger ton arme. Je sais même pas comment tu ranges ton arme. Ah, ah. Ah, ok. Attends, en rangeant l'arme, peut-être que effectivement. Ok. On la met dans le holster et peut-être que ça fait évoluer. Sortir l'accordéon pour mentir. À votre bon cœur, monsieur Dem. Allez. Donnez-moi des sous. Bon, elle va s'ouvrir cette putain de porte. Oh, ça va me rendre dingue. Dans l'autre jeu, quand tu trouvais une anomalie, il fallait faire demi-tour et retourner. Oh, mais une anomalie de quoi? Elle s'ouvre pas cette putain de porte là, ouvre-toi bordel. Bon, j'ai rangé mon arme, mais... À part me foutre la gerbe à 2h du matin là. Il faut faire quoi? C'est quoi ce jeu? Est-ce qu'on peut retourner en arrière, tiens? Ouais, on peut retourner en arrière. Oh, ça file une gerbe par contre, cet effet de lentille là. Je cherche des rats. Non mais sérieux, c'est quoi ce jeu? Attendez, peut-être que dans les commandes, il y a une commande que j'ai pas vue, un keybind qui fait quelque chose. Ah, flashlight peut-être. Ah mais la lampe, elle est sur le flingue. Et je range mon arme, que j'allume la lampe. Ah. Ah. Ah, là on progresse là, j'ai allumé une lampe. Alors ils disent qu'on peut slide, mais je vois pas comment tu peux slide, il veut pas slider du tout. Il y a un jumpscare de merde, je vous préviens, je coupe tout, je vais me coucher. Un truc qui me saute à la gueule. La rame devrait s'arrêter à un moment. Ouais, on entend que dans le métro il s'arrête à bout d'un moment. Je sais pas si vous avez le son assez fort. Je monte un peu. On entend que la rame s'arrête, mais il faut faire quoi? Descendre? Interphone? Oui, mais je l'ai vu l'interphone, mais il se passe rien. Je peux pas interagir avec. Il est où ce coin d'interphone? Il est là. Je peux rien faire. Press to talk. Avance tout droit non-stop. Non, mais on a fait 50 rames, on a remonté tout le métro. Là, dès que j'arrive là, déjà, cette porte-là, elle s'ouvre pas. Déjà. Allez, ouvre. Ouvre. Oh, mais c'est quoi ce jeu, sérieux? Tire dans la fenêtre. Rien du tout. Tirer dans l'interphone? Rien du tout. En train de gaspiller mes balles. C'est un truc de pute, c'est un jeu de merde. Ça va pas me plaire du tout là avec le casque. Oh, ça m'a fait un flip affreux, putain. Si je me retourne qu'il y a un monstre. C'est un jeu de merde.
En plus, j'entends mon perso qui respire en plus. Ah, ça me plaît pas du tout. Si vous avez essayé en VR, Emily Wants to Play par exemple, j'ai tenu 5 minutes. Oh putain, ça me rappelle Phasmophobia, putain. Le casque, il est tellement, tellement extraordinaire en fait. Et dedans, vous entendez bien vous là, les bruits qu'il y a là que j'entends ? Il faut pas viser la poignée pour ouvrir plus facilement la deuxième poignée. Non, j'ai essayé, ça marche pas plus. Vous entendez pas ? Attendez, je monte le son à fond du jeu, voilà. Le son du jeu est à fond là. C'est un truc de merde, je sens que c'est un truc de merde en fait. Ça va me sauter à la gueule ou... Je viens de te donner l'astuce. Faut mettre l'interphone dans la bonne RAM. Ah ouais, le bouton, là il était... J'avais l'interaction. Il y a le bouton d'interaction là. On change le flingue. Putain, mon perso il est flippé, il fait... Oh, ça fait flipper, y a pas un bruit. Y a juste le bruit de l'électricité du RAM, quoi. Ça marche pas, l'interphone. Hein. Je déteste ce genre de jeu, putain. Tout au qui se passe rien, putain. Bien eux hein, pour interagir. Oui, interact, c'est eux. Non, mais range ton flingue pour l'instant. On va tuer personne, on va juste appeler du secours. Bon, j'ai la tête dans l'interphone là. Ça veut pas. La rame où la porte est bloquée, tu veux que j'aille ? Non. On va avancer encore un peu. J'ai toujours pas compris ce qui avait trigger la fin de la boucle, mais... Ah ! We interrupt this program with breaking news. A man has reportedly killed his wife. In the quiet suburbs of... Ah putain, ta police mère. Have been called by scared neighbors as they heard shouting and crying, which they thought was strange coming from their house as this c'est has never fort, happened ça. Before. Unfortunately, as the officers arrived on the scene, a loud gunshot was heard echoing through the otherwise quiet night. The police were unable to subdue the husband, so they were forced to open fire. Est-ce que quand je baisse là, officers ça baisse present on the scene have told us that the perpetrator was not responding bah, to their fort, calls ça. To drop the weapon. As he appeared in a trance-like state. The victim, 25-year-old Emily, was described as being happy, outgoing, and full of life. Her husband, 28-year-old Michael, was seen bonjour, as a quiet but happy and well-adjusted man. This horrible tragedy has come as a big shock to all the people who knew them, since they have always appeared as a cheerful and in-love couple. The motive behind this seemingly strange murder is still under investigation, but the police have confirmed a single gunshot wound to the chest was the cause of Emily's demise. The motive that led to this horrific act is still shrouded in mystery. Was it the sudden surge of uncontrollable anger? Or was it the culmination of a long and simmering mental... Non, je n'aime pas ce genre de jeu, putain, ça fait flipper. We interrupt this program with breaking news. A man has reportedly killed his wife in the quiet suburbs of... Le son est toujours aussi fort pour vous, pouvez confirmer. J'ai baissé mon casque. Trop fort.
Ouais, t'as raison, en regardant la poignée, ça va plus vite. Putain, ça va, il va y avoir un truc qui va me sauter à la gueule, tu vas voir. Et à la con encore. The police were unable to subdue the husband, so they were forced to open fire. Officers present on the scene have told us that the perpetrator was not responding to their calls to drop the weapon, as he appeared in a trance-like state. The victim, 25-year-old Emily... Par contre, ils disent qu'on peut courir, je peux pas courir moi. Left shift run. Tu vas voir si je... This horrible tragedy has come as a big shock to all the people who knew them, since they have always appeared cheerful and in love couple. Bon, on est dans la boucle de nouveau. Hein. The police have confirmed a single gunshot wound to the chest was the cause of Emily's demise. Ah, le son est plus en plus fort. Putain, c'est une merde. Is still shrouded in mystery. Was it the sudden surge of uncontrollable anger? Quelle mauvaise idée, finalement, or was it the culmination of a long and simmering We interrupt this program with breaking news. A man has reportedly killed his wife in the quiet suburbs of Police have been called by scared neighbors as they heard shouting and Qu'est-ce que c'est que ce son? Which they thought was strange coming from Je tire sur l'interphone. Unfortunately, as the officers arrived on the scene, a loud gunshot was heard echoing through the otherwise quiet night. The police were unable to subdue the husband, so they were forced to open fire. Officers present on the scene have told us that the perpetrator was not responding to their calls to drop the weapon, as he appeared in a trance-like state. Emily was described as being Non, toujours dans une boucle là. C'est quoi cette merde, il est bugué ou quoi? Her husband 28-year-old Michael was seen as a quiet but happy and well-adjusted man. This horrible tragedy has come as a big shock to all the people who knew them, since they have always appeared as a cheerful and in-love couple. The motive behind this seemingly strange murder is still under investigation, but the police have confirmed a single... Ah, ça aussi c'est nouveau. Ah, t'as trouvé quelque chose. Ah, mais en fait, je suis fou, je pense. C'est un rêve ou je suis taré. Ok. Ça fait sursauter avec ton tir. Pardon. C'est un jeu à la con. C'est vraiment un jeu à la con. Police have been called by scared neighbors as they heard shouting and crying, which they thought was strange coming from their house as this has never happened before. Unfortunately, as the officers arrived on the scene, a loud gunshot was heard echoing through the otherwise quiet night. À chaque fois, dans chaque rame, il y a peut-être quelque chose de nouveau. The police were unable to subdue the husband, so they were forced to open fire. Oh, ça fait flipper, c'est vraiment un jeu à la con. Hein. Putain, quelle idée. Seen as a quiet but happy and well-adjusted man. This horrible tragedy has come as a big shock to all the people who knew them, since they have always appeared as a cheerful and in-love couple. The motive behind this seemingly strange murder is still under investigation, but the police have confirmed a single gunshot wound to the chest was the cause of Emily's demise. Qu'est-ce que c'est que ce jeu encore? Ah, le papier il est là-bas de nouveau. On va regarder derrière. Ah putain, il y a du sang là. Non, il faut continuer d'avancer en fait. Ah putain, ça clignote. C'est quoi cette... Truc à la con. T'as vraiment une idée de merde que j'ai eu de lancer ce truc là. Je voulais vous montrer un jeu photoréaliste et compagnie. Mon cul, oui. Un jeu à la con. Ah, il y a un E. Ah, il a vu. Il avait raison, il y avait bien quelque chose de caché d'ailleurs. Non, il n'y a rien là.
Alors, passe une bonne soirée. Hein. Ah putain, il n'y a pas de lumière au fond. Non, en fait, on avance. Hein. On peut juste avancer. Ah putain, il y a une main là sur la feuille au fond là. Putain. Ça me rappelle Phasmophobia, c'était abominable. Putain. T'as pas le métro de San Diego. On va voir là. Ah putain, elle est remplie la fiche. Murderer. Oh putain. Bon, merci. Formidable. Are you going insane? Putain! Je vais à la con. Ah, il y a encore plus de sang là. Il y a du sang partout. Ok. Ah par contre, il y a du ray tracing là. Ok, bon. De plus en plus dégueulasse. C'est sûr qu'on va croiser des gens. Vivants, j'entends. Il y a des zombies. Bah, j'aurais moins peur dans un jeu de zombies que là-dedans. Ça fait vraiment flipper leur truc à la con là. Ils sont... En tout cas, le level design est extraordinaire. On pas fait chier, putain. Pourquoi tu vois comme dans une bouteille? Parce que c'est censé être une body cam, un jeu photoréaliste. Tu suis l'aventure, en fait, à travers la caméra du mec. Mais c'est à fou la gerbe, je confirme. Même moi qui ai la souris en main... Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, là, encore? Ah, ça a changé, ça. C'est dit que je suis un assassin, ok. Ah, il y a des gens, ça y est. Il y a des gens. Ah putain, ils ont flouté les visages. Ah, c'est excellent. Ah, mais ils bougent pas. Ah, putain. C'est excellent. We interrupt this program with breaking news. You are a goddamn murderer. 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 Ah, s'ils se mettent à bouger, qu'ils essaient de me choper, on coupe le stream. You are a goddamn murderer. 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 Ça fait flipper, putain. Bon, est-ce que c'est photoréaliste, par contre? Je pensais qu'on verrait des gens heureux d'aller travailler, etc. Pas... You are a goddamn murderer. 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 Non, j'ai pas voulu tirer sur quelqu'un. Un psychopathe. Ils sont déjà en train de me crier que je suis un meurtrier. Bon, on va essayer sur le prochain wagon, je sens que ça te tient à cœur. You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer.
Je peux pas courir par contre, hein. Ça marche pas. Je voulais qu'on tire sur quelqu'un. Mais c'est rien passé. You are a goddamn murderer. 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 Ah, il y a plus de gens dans le wagon d'après. C'est pas le même wagon. Ouais, en fait, il faut toujours avancer. Pas du tout intuitif, leur truc. Ah putain, lui, eux, ils ont pas le visage flouté. Quand je suis loin, je vois leur tête. You are a goddamn murderer. 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 Il a le nez qui sort des pixels. You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. Va venir le jumpscare de merde là. En tout cas, bon dimanche à ceux qui nous rejoignent. Hein. Vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner. Bon appétit. Okay. Ah, les nouvelles notes. Oh putain de ta mère, connerie. Putain de jeu à la con. Ah, ça va pas être possible. Ah, ça va pas être possible en fait. Putain, mais... Oh, j'ai de la chair de poule sur mon corps. En plus, vous, c'est 10h du matin, vous êtes tranquille, en famille, machin. Moi, il est quoi? Il est 2h33 du matin, je suis tout seul, dans le noir, avec un casque fermé. Je vais faire un arrêt cardiaque en direct. Ah putain, il y a encore plus de sang dans la rame d'après. Alors, fais une ou deux rames de plus, on arrête. Hein. Quoi ce jeu de merde, putain. On sait qu'il y avait une enquête, une intrigue, putain. C'est quoi le truc qui bouge derrière toi? Arrête, putain. Sur la cam, arrête. Et qu'il allume tout juste pour être sûr. Non, ça va. Ça bouge dans le wagon d'après. Bouge les gens. Ah non, mais non, putain. Les figurines s'animent. Putain, c'est un jeu à la con. Hein. Mais quelle idée j'ai eu de streamer ça? Surtout qu'en plus je peux pas courir, je sais pas pourquoi la touche pour courir elle marche pas, donc où je fuis je vais même pas pouvoir. Mais quoi ce jeu? C'est des PNJ de Star Citizen, exact. Là, tu vois bien là, la grosse musique qui va me gueuler dans les oreilles avec tous les mecs qui sautent dessus là, les bras tendus là. Le wagon où il n'y a rien, c'est celui qui est le plus flippé en fait. On va rallumer la lumière.
Salut Funky. Oh putain, il y a un nouveau papier là. Ouais, en fait, je suis fou. Ok. Ta mère, il y avait un truc. Sans déconner, mais c'est quoi ce jeu? Putain. Ah putain, il y a des bestioles. Putain. Oh, regarde-les ceux-là maintenant. Putain. Riser, il a gifté un sub, merci. Ah putain, c'est un jeu de merde, putain. Merci Riser Rune. Il a récupéré assez nobi. Ah, me dis pas qu'il tourne la tête. Sans déconner, putain. Je suis dans l'ambiance, je dis à 2h40 du matin, dans le noir. Avec juste le petit courant d'air frais qui passe sous la fenêtre, ça fait bien flipper quoi. Ouais, dès que je vais la choper, il va y avoir une merde. J'ai un bouton sur le nez, qu'est-ce qu'il raconte ? Blood is on you. Ah ! Putain. Ah. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Cédric. Check derrière toi, non ? J'ai pas envie de putain de checker derrière moi, en fait chier. J'adore les films d'horreur. Là, je me suis refait tous les soirs la série des sauts. J'ai fait les 9 sauts en 3 jours. Il m'en reste un là, ce soir. Autant les jeux comme ça de merde. Slightly misjudged the situation, leading to all 15 hostages being executed by the ruthless terrorists. Among the hostages was a 5-year-old girl who was going to visit her grandparents with her father. Ah, putain. C'est la con. Ah putain. Je vu le dernier, pas ouf. Ah, spoil pas. Merde, y'a une télé là. Je sais pas ce que ça donne sur le stream ou dans quel coin on va regarder, mais au casque, j'avoue que c'est ouf. Why couldn't you save them, Michael? 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 Ça pourrait être un PNJ Star Citizen. Ah, est-ce que j'aime pas ce putain de genre de jeu? On a déjà vu ça.
putain, ils m'attendent de nouveau. Pourquoi tu les as pas sauvés? T'as rien. Chier. Juste passer une bonne soirée. Putain, c'est quoi ça là-bas? Putain. Ah, ça a disparu. Toujours le même papier, de toute façon, je suppose. Oui, c'est toujours la même. Tu as raté quelque chose qu'on a déjà fait cette boucle. Ah non, il y a la prison au front. Ah, il faut que je me retourne et il y a une merde derrière moi, évidemment. Ah, regarde quand tu mets la lumière dans le de leur corps. Les PNJ ont des bouts du tronc. J'ai vu qu'il y en avait un qui avait un bras arraché. Pour recomposer le tronc, formidable. Formidable. Ordinaire comme jeu. Je t'avais demandé de dormir. Impeccable, c'est exactement ce qu'il me fallait. C'est moi, pardon. Un kebab à livrer. Non, t'arrêtes pour faire un jeu déjà comme ça. Il est où le tronc? Ah, il est là. Ça détend? Putain. Bon appétit, exactement. M'attendez pas à ça. Hein. Je me suis dit, on va regarder une démo technique, ça va être sympa, on va se détendre. Bon alors, il me faut trouver un autre bout. Petit puzzle, exactement. Ah ouais, je pensais qu'on allait juste regarder une démo technique, quoi.
C'est pas du tout que je... j'ai transporté des bouts de cadavres. Why couldn't you save them, Michael? 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 Ouais, jusqu'au bout, on est pas des flippettes. On est pas des flippettes. Why couldn't you save them, Michael? 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 Dans cette rame, je pense qu'il n'y a pas d'autres morceaux. Alors, Why couldn't you save them, Michael? 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 Ah. Ah mais je suis revenu. Bah. Ouais, donc c'est la fin de la boucle, ça, ok. Ouais mais le problème c'est que j'ai pas trouvé d'autres morceaux moi mon petit gars. Je te complète, c'est gentil, c'est bien pour la Saint-Valentin, mais... J'ai pas trouvé d'autres morceaux. Ah. Ils vont venir les autres morceaux, oh putain. En train de regarder sur un autre... Ah, voilà. Formidable. Mais non! Merde, ma jambe! Elle est pour qui, cette petite guibole? Hein? Mbappé, tiens. Au pied droit. Plaf! Enfin, la jambe gauche va pas avec la jambe droite, on est d'accord. J'ai pas du tout hâte de voir ta tête. Oh putain, arrêtez. Si c'est un truc de merde là, que ça me saute à la gueule, hein. Je déteste le putain de genre de jeu. Phasmophobia, ça avait l'air génial quand on avait essayé, mais bon, c'est infernal quoi. Et dans le casque VR, ouais, Emily wants to play. Emily wants to play, je pense que c'est le pire truc. Tu tiens 10 minutes. C'est que des jumpscares, c'est insupportable. Tu tournes la tête, parce que ça fait tcha tcha tcha. Derrière la tête, tu tournes, t'as un truc qui te saute à la gueule. Non. Faut être maso pour jouer des jeux comme ça. Oh, excusez-moi. Cherche un bras. Voir. Voir. Cherche un bras. Non? Un bras? Non? J'ai pas vu. Ah, bah voilà. J'emprunte ça, ok. Merci. Excuse-moi, je te marche dessus. Ah. Dégueu. Il a explosé derrière moi, je l'ai entendu. Donc ouais, la spatialisation du... Du Odysse Maxwell est exceptionnel. Voilà, malheureusement. Ah, le panneau est tordu. En train de sombrer dans la folie, comme mon personnage. Allez, il manque plus que la tête. Je sais pas combien de temps elle dure cette démo. Allez, plaf. Ah, je peux plus bouger. Ah. Bug. Je peux plus bouger. Ah si, c'est bon. Eh ben, c'est passionnant. Hein. On s'éclate, hein. J'ai...
perdu la tête. Bon, si vous êtes jamais venu sur la chaîne, bienvenue. Normalement, on parle de tech, mais vu que cette semaine, il n'y avait rien, on jouait à des jeux de tarés. Bon, tant qu'on est entre nous, là, qu'est-ce qu'on fait de cette chaîne YouTube, alors? On remet des vidéos, on arrête. Ben, j'aime pas quand vous me regardez tous comme ça, là. Il me faut une tête. Ah, putain, il y a un truc qui marche derrière moi. C'est le dernier wagon, ça, normalement. Ah, dégueu, putain. Ah bah oui, ça fait pas flipper du tout, ça, la petite boîte de table de nuit, là. Comment je crochette ? Du tout envie d'ouvrir cette putain de boîte. Ah putain, elle est là. Ah, on a quelque chose d'intéressant. Putain, c'est la plus belle chose qu'on ait vue depuis le début du stream, là, bordel. Bon, allez, viens là, toi. Ah, mais il faut que je remonte tout le wagon, ok. Ah putain, il va se lever. Ah putain. Y'a plus de bruit, y'a plus de son, y'a plus de musique, y'a plus rien, bordel. Oui, putain. Oh, ça a duré combien de temps? Putain. Non, mais sérieux, putain, mais c'est quoi ce jeu à la con, là? Ah, y'a plus de lumière maintenant. Mieux en mieux. Boire un coup. Je putain. This program with breaking news. A man has reportedly killed his wife in the quiet suburbs of. Police have been called by scared neighbors as they heard shouting and crying, which they thought was strange coming from their house as this has never happened before.
Unfortunately, as the officers arrived on the scene, a loud gunshot was heard. It was quiet night. The husband, so they were forced to open fire. Officers present on the scene have told us that the perpetrator was not responding to their calls to drop the weapon, as he appeared in a trance-like state. Look behind you. The victim, 25-year-old look behind you. Va te faire reculer, putain, Joël, à quoi. Outgoing and full of life. Her husband, 28-year-old Michael, was seen as a quiet but happy and well-adjusted man. This horrible tragedy has come as a big shock to all the people who knew them. Look behind you. Va te faire reculer, putain. Putain. La chaîne YouTube avec abonnement, j'y avais pensé. Or was it the culmination of a long and simmering mental? Ah putain, y'a plus de bruit. Faire du train, ça. Cette merde encore. Pas du tout ce que j'avais en tête pour cette soirée. Là, on n'en vient pas à bout là. Allez. Ah bah y a plus rien. Bah, je me dis que si vous êtes dans votre canapé tranquille là, il fait beau et tout, vous dites putain mais il flippe pour rien. Quand t'es dans l'ambiance là, croyez-moi. Dans le noir total, tout seul. 3h00 du matin. Garantir que l'effet... Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien même. Trop bien. On est constant. 26 viewers, ça n'a pas bougé. Vous avez envie de voir ce qui va se passer. Vous voulez juste vous foutre de ma gueule. Ah putain, y'a plus rien là. On arrive à la fin. Ganna. Ah ça. Une combinaison, c'est ça la blague? 0-0-0. Ah. Alors là. Ça murmure quelque chose. Les 5 lettres qu'il fallait trouver. On peut pas quitter. Charmant. Je sais pas comment elle s'appelait la copine là, qui l'a tuée. Ideas. Bah alors pour l'instant, des idées, j'en ai pas beaucoup là. Mugs.
pour Emily Wants to Play. Je sais pas comment elle s'appelle. Je sais Emily. Pas de elle. Il n'y a pas toutes les lettres en fait. Il n'y a pas toutes les lettres. Y a... Ah, il y a des lettres en double. Il y a des lettres en double, j'ai l'impression. Alors, celui-là, celui-là. Il y a deux i à chaque fois. Ah putain, c'est peut-être que des i en fait. Là, il y a deux E. Il y a des lettres en double. On va essayer les lettres en double. Là, I. Là, il n'y en a pas, évidemment, en double. Il y a des lettres en double, là. Il y a le I. Et là. Allez, vas-y, donne le code. Je vais pendant deux heures. Ah, d'accord, ok. Formidable. Et comment tu le trouves, ce code à la con ? Et... Sans déconner. Ah, ils ont pu courir maintenant. Horrible comme jeu. T'arrives, t'arrives. Oh putain. Ah, t'as qu'une vie en plus. Bon ben voilà, on va s'arrêter là. Quelle horreur, mais quel jeu horrible. Mais quelle idée, putain ce putain de micro qui tient pas. Quel jeu horrible. Mon Dieu. Oh, quel enfer. Quel enfer, ce jeu.
C'était horrible. Horrible, j'ai chaud en plus. Mon Dieu. Tu as réveillé mon chien. C'était horrible. Après, je vais pas me retaper tous les wagons juste pour tuer le démon à la fin. Ouh, eh ben, je vais bien dormir, putain, grave. Surtout que je vais me faire saut 10, là. Je vais enchaîner, comme ça je finis. Bah écoutez... ça vous a plu. Dieu, quel enfer. Mais j'imaginais pas du tout que c'était ça, en fait. Je pensais vraiment que c'était une démo technique, mais là, là, là... Ah. Sans avoir retrouvé la lumière. C'est un bordel. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous avez aimé ou pas? Coupez ça. Mon Dieu. Je préfère Trepang. Trepang, au moins, on rigole. Trepang, t'exposes des gens au ralenti. Vachement plus rigolo. Mon Dieu. Écoutez, quelle heure il est en France chez vous là? Ah, mais c'est midi, donc vous allez partir bouffer, hein, Marc. Bon, allez, on va s'arrêter là. Petit live de 3 heures. Non, c'est ça. Combien de temps on a duré? Ah non, 2 heures aujourd'hui, 2h20. Du live. Je vous laisse aller manger tranquillement. Mon Dieu. Je m'en rappelle pas assez. C'était... Non, mais Bazoul, c'était horrible, en fait. Quand t'es dans le truc, c'est-à-dire dans le noir total, avec le casque, là, y a pas un bruit. Le son était très, très bon. Je sais pas ce que ça a donné... sur le stream, mais waouh. Ça m'a rappelé les mêmes sensations que ouais, Phasmophobia. Phasmophobia, c'est génial comme jeu, mais alors... C'est horrible. Horrible. C'est... Voilà. Non, bah, je vais en VR, ça doit être pas mal. Non, non, mais ça, impossible en VR. Mais je me rends compte. J'ai vraiment un arrêt cardiaque. Là. J'ai entendu le démon arriver en courant derrière moi. Là. Ah non, c'était horrible. Horrible. Ah, je regarde, je vais dire merci à tous ceux qui ont sub. À Riser qui avait offert un sub, merci. Beyrouth qui a follow, bien bon retour, Beyrouth. C'est là que j'ai pas vu peut-être. Merci à Ganicus aussi pour le sub. On a Stuart qui nous follow. Bonjour, bienvenue, merci. TSC Marseille, bienvenue. Merci à Bazoul d'avoir encore filé 5 subs. Non mais. Oh là là. Detroit Become Human, vraiment bien, c'est beaucoup plus relax en plus. Là, c'était... Là, ça, c'est vraiment les jeux, si tu joues à la lumière avec les gosses qui crient et tout, ça n'a aucun intérêt. Mais quand tu joues dans le noir, avec le casque fermé, pas un bruit, le son à fond, ouais, là, tu flippes. Bien comme il faut. Ils ont fait du bon boulot, voilà. Donc, je vais vous mettre le lien si vous voulez vous le télécharger, bien que, bon, on a spoilé à mort, hein. La démo, vous pouvez la télécharger gratuitement et vous pouvez, bah, en fait, download, vous pouvez mettre un montant. Vous pouvez payer ce que vous voulez pour leur donner ce que vous voulez. Donc voilà. Ah, putain. Là, il faut te mettre un épisode des Simpsons ou de South Park histoire de décompresser avant de te coucher, sinon tu dors plus. Mon Dieu. Une bonne expérience, voilà. À refaire, non, mais bonne expérience. Allez, je vais vous laisser. Merci d'être passé faire un coucou ce dimanche matin. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. J'espère qu'il fait beau. Vous allez pouvoir aller vous promener, ramasser des champignons. Moi, je vais aller me faire saut 10. On reste dans la même ambiance, comme ça. Et puis, je vous fais des bisous. On se retrouve dimanche prochain, si tout va bien, à 10h, à la même heure. Si vous voulez récupérer donc les stratagèmes pour Helldiver directement sur l'application d'Elgato, sinon sur le Discord, c'est gratos. Je vous fais des bisous, je passe vite fait sur le Discord, dire bonjour aux copains, là, et puis après je file. Et voilà, merci à tous, merci pour les subs. On va bientôt pouvoir changer le bras. On va bientôt pouvoir changer le bras. Je fais des bisous, bon appétit à ceux qui vont aller manger, j'espère que ça ne vous aura pas trop coupé l'appétit. Hein, une petite côte de bœuf bien saignante.
Et puis voilà, à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, quand vous n'êtes pas avec moi, je retrouve le bouton. J'ai perdu le bouton, si vous voulez. Vous le savez. C'est le rituel. À la fin du live, toujours. Vous n'êtes pas avec moi. Oh, n'oubliez pas de vous balancer, bordel. Petit bisou. Oui, je me balance. Oui, je me balance. Oui, je me balance. Oui, je me balance. Tu t'en balances, ronron petit bâton. Et quand dans deux bâtons, c'est la vie qui danse qui fait bouger les bichons. Oui, je me balance, je balance et nous nous balançons. C'est un plaisir immense pour nous danser, on a vraiment le bon. Oui, je me balance, tu t'en balances, ronron petit bâton. Et quand dans deux bâtons, c'est la vie qui danse qui fait bouger les bichons. Tu te balances en grande calotte et nous nous aimons. Que ce soir, nous l'embrasserons. Oui, je me balance, tu t'en balances, on rend petit bâton. Et quand on te balance, c'est la vie qui danse qui fait bouger les bichons. Je me balance, je balance et nous nous balançons. C'est un plaisir immense pour nous danser, on a vraiment le bon. Oui, je me balance, tu t'en balances, ronron petit bâton. Et quand on te balance, c'est la vie qui danse qui fait bouger les bichons. Tu te balances en grande calotte et nous nous aimons. Et après la fin de l'enfoir, je te dis que ce soir nous l'embrasserons. En grande calotte.